c'est le télencéphale, les hémisphères cérébraux, la partie vraiment du cerveau proprement dit. Et cette partie du cerveau proprement dit, il va falloir se souvenir quelque chose très important que vous voyez sur cette diapositive. Merci. Vous avez une vésicule, c'est la vésicule qui va devenir la vésicule du diencéphale, et vous allez avoir deux autres vésicules qui vont naître littéralement de cette vésicule diencéphalique et qui vont former les ventricules latéraux. Ces deux vésicules, droite et gauche, naissent à la partie antérieure, communiquent avec la cavité du diencéphale par le foramen interventriculaire et vont, comme la flèche l'indique, avoir un mouvement d'enroulement de part et d'autre de la cavité diencéphalique. Ce mouvement d'enroulement va entraîner en même temps toutes les structures nerveuses qui sont à côté d'elle. Et parmi les structures nerveuses à côté des vésicules, eh bien, il y a le cortex cérébral. De telle sorte que le cortex cérébral va s'enrouler de la même façon que les vésicules du télencéphale, c'est-à-dire les ventricules latéraux. Et on arrive à cette vue qui n'est autre que la vue latérale du cerveau. Donc, si je vous résume rapidement ce que je viens de dire, eh bien, en bleu, voici la vésicule du diencéphale. Voici une vésicule télencéphalique. Elle va complètement entourer, comme ceci, le diencéphale. Mais il existe deux vésicules télencéphaliques, une droite et une gauche. Il ne faut pas l'oublier. Ces deux vésicules télencéphaliques vont donner les futurs ventricules latéraux. Et dans le premier cours, je vous avais mis en place ces ventricules latéraux. Donc, on refait la cavité du troisième ventricule. Voici l'orifice interventriculaire. Voici l'aqueduc du cerveau. Je m'arrête là. Voici la corne qu'on appelle la corne frontale du ventricule latéral, la corne occipitale et la corne temporale du ventricule latéral. Donc la forme définitive du ventricule latéral sera d'avoir une partie antérieure qui s'appelle frontale, comme l'os, une partie postérieure qui s'appelle occipitale, comme l'os, et une partie inférieure qui s'appelle temporale, comme l'os. Mais vous voyez bien qu'il y a un mouvement d'enroulement, et ce mouvement d'enroulement se fait autour du diencéphale sur ce dessin. En fait, ce mouvement d'enroulement se fait comme pivot. C'est le noyau lenticulaire. Tout tourne autour du noyau lenticulaire. Il existe au niveau de la corne, à la partie postérieure de la corne frontale, à la partie antérieure de la corne occipitale et à la partie postérieure de la corne temporale, un carrefour. Carrefour ventriculaire. Alors maintenant, vous allez imaginer plusieurs structures. Qu'est-ce qu'on a vu comme structure? La première structure que nous avons vue, c'est les plexus choroïdes. Je vous ai dit qu'il y avait des plexus choroïdes à la partie supérieure du troisième ventricule. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous ai dit qu'à la partie antérieure, au niveau de la commissure antérieure, au niveau du foramen interventriculaire, ces plexus choroïdes se réfléchissaient et se continuaient en plexus choroïdes des ventricules latéraux. Eh bien, vous pouvez les dessiner en les faisant parcourir la vue ici, en fait, inférieure de la corne frontale du ventricule latéral,
puis en avant de la corne occipitale, on est à ce moment-là au niveau du carrefour, et puis ça sera en dedans de la corne temporale, en dedans et en haut de la corne temporale. Donc première structure qui va s'enrouler et que vous connaissez, ce sont les plexus choroïdes. Les plexus choroïdes, vous allez les retrouver s'enroulant avec les ventricules latéraux. De telle sorte que si vous faites une coupe horizontale passant deux fois, eh bien vous les trouvez en avant et vous les trouvez en arrière. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, ou maintenant, c'est le télencéphale. Pour décrire le télencéphale, pour décrire le cortex cérébral, pour décrire le cerveau, il va falloir décrire trois vues. Une vue externe, une vue inférieure et une vue interne. Donc on commence par la vue externe, parce que c'est la plus facile. La vue externe va s'enrouler. Et donc sur une vue externe, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Vue externe ou vue latérale, ce qui est la même chose. Sur la vue externe, vous allez avoir ce phénomène d'enroulement. Et ce phénomène d'enroulement, vous allez voir enrouler comme ceci la structure nerveuse. Littéralement, vous voyez, elle s'enroule. Et en fait, en s'enroulant, elle va venir se chevaucher. Donc, cet espace qui est ici, eh bien, va former une large fissure. Elle va former la fissure latérale du cerveau. Fissure latérale du cerveau, sur une vue externe, on lui décrit plusieurs parties. On lui décrit un bras postérieur. On lui décrit un bras antérieur et un bras moyen au milieu, mais on lui décrit un élément horizontal et un élément vertical. Donc la fissure latérale, qui s'appelle aussi la fissure de Sylvius dans les livres, vous entendrez parler de vallée sylvienne, vous entendrez parler de sillon de Sylvius. Le nom actuel, c'est fissure latérale. Eh bien, il est important de retenir que cette fissure latérale va présenter plusieurs bras, dont un bras horizontal et un bras vertical. Ensuite, vous allez pouvoir décrire, en fait, une partie tout antérieure au cerveau, et vous allez pouvoir marquer le mouvement d'enroulement du cerveau. Et vous allez revenir en avant. Donc vous avez bien ce phénomène d'enroulement de la structure nerveuse autour, en fait, de cette fissure qui va marquer le chevauchement des deux cortex. Donc si je refais le dessin, eh bien vous avez le sillon de Sylvius, la fissure latérale. En avant, vous auriez le pôle frontal, le bord supérieur du cerveau, le pôle occipital et le pôle temporal. Celle-là est un peu mieux, donc on va continuer sur celle-là. L'autre sillon important à connaître, c'est le sillon central. Sur une vue latérale, il part du bord supérieur et il va être légèrement oblique en bas et en avant. C'est le sillon central. Ce sillon central s'appelle aussi le sillon de Rolando, et vous allez entendre parler du nom Rolando
Et cela doit déclencher un réflexe vous disant c'est le sillon central. En avant du sillon central et au-dessus de la fissure latérale, vous avez ce qu'on appelle un lobe. Et ce sera le lobe frontal. Donc, en avant du sillon central, au-dessus de la fissure latérale, le lobe frontal. Et on décrit au lobe frontal un sillon pré-central qui est discontinu et deux sillons littéralement perpendiculaires au sillon pré-central qui sont les sillons frontal supérieur et frontal inférieur. Entre les sillons, vous avez des gyries ou un gyrus, ou ce qu'on appelait antérieurement des circonvolutions. Entre le sillon central et le sillon précentral, ici je le fais en rouge, une circonvolution, un gyrus, c'est le gyrus précentral, c'est le gyrus moteur primaire. Une partie des fibres du faisceau cortico-spinal naîtra dans ce gyrus. Il s'appelle aussi frontal ascendant. Donc, gyrus précentral. Égale gyrus frontal ascendant, on dit que c'est l'aire motrice primaire. Une partie des fibres du faisceau cortico-spinal naîtra dans ce gyrus. En avant du sillon précentral, eh bien vous avez d'autres circonvolutions. Un gyrus frontal supérieur, un gyrus frontal moyen, un gyrus frontal inférieur. Au niveau de ce gyrus frontal inférieur, eh bien vous retrouvez le bras horizontal, le bras vertical de la fissure latérale. Et cette zone, ici, a été décrite par Broca, est connue pour être la lésion donnant un trouble du langage. Et si vous avez été visiter le musée du Puitrin qui est dans cette maison, vous pouvez aller voir les deux cerveaux que Broca a décrits et qui vous montrent la lésion de la troisième circonvolution frontale. Le lobe frontal, qui est donc toute la partie antérieure du cerveau, qui est en contact avec l'os frontal, d'où son nom, lobe frontal, va se continuer sur la face interne et sur la face inférieure du cerveau. Donc on sera obligé de la revoir en dessinant la face interne et la face inférieure du cerveau. En arrière du sillon central, au-dessus et en arrière de la fissure latérale, le lobe pariétal. Au niveau du lobe pariétal, sur une vue externe, vous décrivez un sillon post-central et un sillon intra-pariétal. Et vous allez décrire ainsi des circonvolutions, des gyries. Un gyrus post-central et le gyrus post
centrale va correspondre à la projection des fibres sensitives. On dit que c'est l'aire sensitive primaire. Au-dessus du sillon intrapariétal, du pariétal supérieur et en dessous du pariétal inférieur. Mais le pli de passage à la partie la plus postérieure de la fissure latérale porte le nom de gyrus supra-marginal. En dessous de la fissure latérale, le lobe temporal. À la partie la plus antérieure, eh bien vous aurez le pôle temporal. Et vous allez avoir des sillons. Un sillon temporal supérieur, un sillon temporal inférieur. Et vous allez différencier un gyrus temporal supérieur, un gyrus temporal moyen, un gyrus temporal inférieur. En fait, comme les gyris frontaux, vous numérotez souvent ces gyrus. Vous numérotez, le temporal supérieur s'appelle aussi le premier, T1. Le moyen s'appelle le deuxième gyrus temporal et le gyrus inférieur s'appelle le troisième. Et là aussi, vous allez continuer sur la vue inférieure et sur la vue interne du cerveau et vous allez donc avoir 5 circonvolutions temporales. En arrière du lobe temporal, le lobe occipital, avec un pôle occipital. Il n'y a pas chez l'homme de limite entre le lobe temporal et le lobe occipital. Les circonvolutions semblent se continuer sans interruption. Seules des incisures peuvent être visibles. Donc, sur la vue externe, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il faut savoir qu'il y a deux grands sillons. L'un s'appelle la fissure latérale, dite de Sylvius. L'autre, c'est le sillon central, dit de Rolando. Par rapport à ces deux sillons, on décrit 4 lobes. Un lobe frontal, un lobe pariétal, un lobe temporal et un lobe occipital. Il existe 5 lobes décrit au cerveau, il en manque donc un. Le dernier lobe est le lobe de l'insula. Et pour décrire le lobe de l'insula, vous allez devoir découper toute une partie centrale, ici. Vous coupez le frontal, le lobe frontal, vous coupez le lobe pariétal, vous coupez le lobe temporal, et au fond de la fissure latérale, vous aurez le lobe de l'insula. Donc le lobe de l'insula a été enfoui au fond de la fissure latérale, justement au moment de l'enroulement du cortex et du développement du cortex. Donc je répète, 5 lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal, lobe occipital, et le dernier lobe est enfoui, on ne le voit pas en superficie, c'est le lobe de l'insula. Donc on a vu la vue latérale, il nous faut voir la vue interne et il nous faut voir la vue
inférieure. On va commencer par la vue interne. La vue interne ou la vue médiale, ce qui est la même chose. Je vous rappelle notre petit dessin initial du diencéphale. Je vous avais fait deux hémisphères cérébraux, comme ceci. Et je vous avais dit que les deux hémisphères cérébraux étaient réunis par une commissure. Cette commissure, vous connaissez son nom maintenant, c'est la commissure du corps calleux. Pour regarder la vue médiale du cerveau, si on oriente cette coupe, ici vous auriez la partie latérale, et ici la partie antérieure. C'est une vue supérieure. Vous allez devoir couper ici au milieu. Et en coupant au milieu, vous allez couper le diencéphale, vous allez tomber dans le troisième ventricule. Mais en aucun cas, vous allez léser, si vous coupez vraiment au milieu, le télencéphale. La seule chose que vous couperez de nature télencéphalique, ce sont les structures qui traversent, c'est-à-dire le corps calleux. Donc, et le fornix, qui est diencéphalique. Donc, vous allez retrouver, si vous faites une vue interne du cerveau, la première structure qui sera la coupe du corps calleux. Et puis, en dessous du corps calleux, vous allez retrouver le fornix. Donc, on va dessiner, voici le corps calleux. On a dit qu'il y avait un genou, un corps, un bourrelet au corps calleux. Genou du corps calleux, corps du corps calleux, bourrelet du corps calleux, le bec avec la commissure antérieure est une vieille histoire, elle appartient au diencéphale. La seconde structure que vous allez couper, c'est le fornix. On sait que le fornix et colonne antérieure appartiennent au diencéphale. Voici les colonnes antérieures. Et puis le corps, ça colle au corps calleux. Et puis il va diverger et ces piliers postérieurs vont aller rejoindre, et je vous ai dit tout à l'heure qu'ils allaient rejoindre le crochet, un crochet au niveau temporal. Donc je vous dessine ce crochet. J'ai bien sûr supprimé le diencéphale. C'est une vue interne du cerveau et j'ai coupé le diencéphale. Donc je pourrais vous marquer ici, en fait, ici, la coupe du diencéphale pour me permettre de voir les structures cérébrales. Alors qu'est-ce que l'on va décrire? Le premier sillon qu'on va décrire sur une vue interne, c'est le sillon qu'on appelle le sillon singulaire. C'est un sillon qui semble partir de la commissure antérieure et qui va être parallèle au corps calleux. Donc, il décrit un trajet parallèle au bord supérieur du corps calleux. À peu près à la moitié du corps calleux, eh bien, il va donner son bras marginal, sa partie marginale qui va rejoindre le bord supérieur du cerveau. Ce sillon s'appelle le sillon singulaire. Et il s'appelle le sillon singulaire car le gyrus, qui est situé entre le corps calleux et ce sillon, s'appelle le gyrus singulaire. Donc ici, vous avez le gyrus singulaire. Ensuite, vous allez pouvoir dessiner le bord inférieur, le bord antérieur,
le bord supérieur du lobe frontal. Donc vous allez avoir tout le lobe frontal. Donc je vous oriente ici, la partie supérieure est en haut du tableau, la partie antérieure se situe à ma gauche. À la partie postérieure, ici, juste en avant du bras marginal du sillon singulaire, eh bien vous allez pouvoir retrouver la terminaison du sillon central. Donc vous allez avoir en avant du bras marginal du sillon singulaire, sur la face interne du cerveau, la terminaison du sillon central. Et en avant de ce sillon central, vous pourriez avoir un sillon qui correspondrait au sillon précentral. On a vu qu'en avant du sillon central, il y avait un gyrus qui s'appelait le gyrus précentral et que ce gyrus précentral était moteur. Eh bien, en avant du sillon central, dans cette zone, vous avez le début ou la terminaison, comme vous voulez, du gyrus précentral. Donc, vous allez avoir une partie motrice. L'aire motrice primaire se continue sur la face interne du cerveau. Sur la face externe, vous avez en arrière du sillon central un gyrus, le gyrus post-central qui est sensitif, l'aire sensitive primaire, et ce gyrus post-central va se continuer sur la face interne. En arrière, bien sûr, du sillon central. En anatomie, en morphologie, vous avez un nom ici pour cet élément de part et d'autre du sillon central. C'est le lobule paracentral. Et en avant de ce lobule paracentral, eh bien, vous retrouveriez la frontale supérieure. Donc vous retrouveriez la frontale supérieure sur la face interne du cerveau. Alors qu'est-ce qui se passe en arrière? Eh bien en arrière, vous avez vu qu'on est arrivé au lobe pariétal. Vous allez avoir dans la continuité, sur la même direction du sillon singulaire, un sillon qui s'appelle le sillon sous-pariétal. Ce sillon sous-pariétal va différencier un gyrus pariétal, qui correspond au gyrus pariétal supérieur, et la partie postérieure du gyrus singulaire. Donc au-dessus du gyrus, un gyrus pariétal, en dessous, la continuité du gyrus singulaire. En arrière, donc on pourrait marquer ici le bord supérieur. En arrière, un sillon oblique en bas et en avant. Le sillon pariéto-occipital. Il va donc différencier le lobe pariétal du lobe occipital. On continue notre dessin avec le pôle occipital. Naissant du pôle occipital, un autre sillon tout à fait important, qui va aller rejoindre le sillon pariéto-occipital, c'est le sillon
calcarin. Le sillon calcarin naît du pôle occipital. Il est oblique en haut et en avant. Il va rejoindre le sillon pariéto-occipital. C'est une bonne façon de le reconnaître. Il est sur la face interne du cerveau, la face médiale du cerveau. Et il est le lieu de projection des voies visuelles. On dit que sur les deux berges du sillon calcarin se projettent les voies visuelles. De part et d'autre du sillon calcarin, vous avez l'aire visuelle primaire. Donc, l'aire visuelle. Vision. Alors, en anatomie, il y a des noms. Entre le pariéto-occipital et le calcarin, on a décrit, par exemple, un cunéus. Je ne suis pas sûre que ça soit important. Ce qui est très important, c'est de connaître l'emplacement du sillon calcarin et de savoir que c'est de part et d'autre des berges du sillon, sur les berges du sillon calcarin, que se projettent les voies visuelles primaires. Alors, il nous reste toute la partie intérieure, antérieure et inférieure de ce dessin. Elle appartiendra au lobe temporal. Et qu'est-ce que nous allons retrouver au niveau de ce lobe temporal ? Eh bien, nous allons retrouver la dernière circonvolution temporale que nous avions décrite, la troisième circonvolution temporale, qui sera séparée par un sillon. Ça, c'est la troisième, qui sera un sillon temporo-occipital latéral. Et parallèle à ce sillon temporo-occipital latéral, un autre sillon, un sillon temporo-occipital médial, qui porte le nom aussi d'ailleurs de sillon collatéral, et qui va ainsi séparer la quatrième circonvolution temporale de la cinquième circonvolution temporale. Donc en fait, il existe bien cinq circonvolutions temporales. Une temporale supérieure ou la première, une temporale moyenne ou la seconde, une temporale inférieure ou troisième temporale qui fait la jonction entre la face externe et la face interne et inférieure. On la retrouve donc sur cette vue interne. Mais on retrouve aussi les deux autres circonvolutions temporales, la quatrième circonvolution temporale et la cinquième. Or, la cinquième, elle est très très compliquée. La cinquième circonvolution temporale, qui s'appelle aussi la circonvolution para-hippocampique, en fait, présente plusieurs parties. Et cette circonvolution para-hippocampique, on en reparlera longuement dans le dernier cours qui s'appelle système limbique. Mais déjà, sachez qu'il existe une partie qu'on appelle le gyrus para-hippocampique, une partie que l'on appelle l'hippocampe. Et pourquoi l'appelle-t-on l'hippocampe ? C'est tout simplement qu'elle ressemble au petit animal marin qui s'appelle l'hippocampe, et qu'en définitive, cet hippocampe, cette cinquième circonvolution temporale, au moment du développement du cerveau, va se retrouver
complètement enfouie à l'intérieur du cerveau, très interne, et qu'elle va se replier sur elle-même. Et elle va se replier sur elle-même dans un mouvement de rotation, comme si vous faisiez d'une supination une pronation. Et elle va se retourner sur elle-même à son extrémité antérieure, comme si vous preniez votre main et que vous la déposiez sur votre avant-bras. Quand vous avez ce mouvement de la main sur l'avant-bras, vous allez former le crochet de l'hippocampe. Et c'est au niveau de ce crochet de l'hippocampe que vient buter les piliers postérieurs du fornix. Et je dis bien buter les piliers postérieurs du fornix. Alors que l'hippocampe, quand elle s'enroule sur elle-même comme un mouvement de supination en pronation, va donner un gyrus qu'on peut voir en profondeur, on pourra le regarder si on a le temps tout à l'heure, qui s'appelle le gyrus denté. Alors, mon dessin est relativement faux d'ailleurs, parce que il devrait être T5, se trouve ici. La cinquième circonvolution temporale fait partie du système limbique et le système limbique est décrit dans le dernier cours. Donc nous reverrons toutes ces structures en détail dans le dernier cours. Alors maintenant, il reste la vue inférieure. La vue inférieure, eh bien on va la faire ici. Pour voir la vue inférieure du cerveau, il faut couper le tronc cérébral. En coupant le tronc cérébral, vous allez donc couper la partie la plus supérieure du tronc cérébral. Et hier, je vous ai dessiné une coupe du mésencéphale. Donc on va refaire la coupe du mésencéphale. Voici l'espace interpédonculaire. Voici les pédoncules cérébraux. Voici un colliculus supérieur ou inférieur, comme vous voulez. Et voici le côté, l'autre côté. Nous avons vu hier que la coupe du mésencéphale se caractérisait par de la substance noire, un noyau rouge, et vous pourrez reconnaître ces noyaux très facilement sur des vues IRM. Donc il y en a un bien sûr à droite et à gauche. Voici la substance noire contralatérale. Vous avez une cavité au mésencéphale, c'est la cavité. L'aqueduc du cerveau, et vous avez donc bien une vue, une coupe des pédoncules cérébraux. À l'intérieur de l'espace interpédonculaire, ben, maintenant vous savez absolument ce qu'il y a. Il y a le chiasma optique en avant, l'arrivée des nerfs optiques, les bandelettes optiques contournent les pédoncules cérébraux, et à l'intérieur donc de cet espace interpédonculaire, l'infundibulum de la tige pituitaire et les deux corps mammillaires avec l'espace perforé postérieur. En avant de cette coupe du mésencéphale, la partie inférieure du lobe frontal. Cette partie inférieure du lobe frontal repose sur l'orbite. Donc on l'appelle souvent la partie orbitaire du lobe frontal. Donc voici
la ligne médiane, donc vous avez ici la partie orbitaire d'un lobe frontal. De l'autre côté, vous auriez l'autre partie orbitaire du lobe frontal. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de la partie orbitaire du lobe frontal ? Eh bien, tout en dedans, vous allez retrouver un sillon. Ce sillon s'appelle le sillon orbitaire interne, mais dans ce sillon repose le bulbe olfactif et les bandelettes olfactives. Donc le bulbe olfactif repose ici, est en rapport supérieur direct avec le sillon orbitaire interne. Je vous rappelle que le sillon, que le bulbe olfactif, qui va donner les petits filets du nerf olfactif, est une expansion directe du télencéphale. En dehors, eh bien, vous allez retrouver un sillon en H qui va limiter ce qu'on appelle les gyries orbitaires. Et en dehors encore, vous aurez un sillon orbitaire externe. Donc la partie inférieure du lobe orbitaire repose sur du lobe frontal repose sur l'orbite et les gyrus, tout naturellement, portent le nom de gyrus orbitaire pour la plupart d'entre eux, pas pour tous. En arrière, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, en arrière, on va retrouver le lobe temporal. La limite entre le lobe frontal et le lobe temporal, ce sera la fissure latérale. En fait, classiquement dans les livres, eh bien, vous voyez que la fissure latérale se prolonge sur la vue inférieure et interne. Donc on peut marquer ici le pôle temporal et puis le bord externe de l'encéphale. Nous avons le pôle temporal, mais sur la partie la plus interne et médiale, on va retrouver le crochet de l'hippocampe et la cinquième circonvolution temporale. Donc, ici, en rapport avec le mésencéphale, vous allez avoir un crochet que j'hypertrophie parce qu'il est tout petit, et puis la cinquième circonvolution temporale. On sait que cette cinquième circonvolution temporale présente une partie qui est l'hippocampe, avec le crochet de l'hippocampe, et un gyrus qui est para-hippocampal. Et ce gyrus est la limite entre la cinquième circonvolution temporale et la quatrième, c'est le sillon collatéral ou sillon occipito-temporal. Donc le voici. Donc on est bien ici au niveau de l'hippocampe et ici au niveau de la cinquième circonvolution temporale. En dehors, on retrouve bien la quatrième circonvolution temporale limitée par le sillon occipital, temporo-occipital médial. Donc on retrouve bien la quatrième circonvolution temporale. Et on va pouvoir mettre la limite externe ici avec le pôle occipital en arrière. Donc on pourrait faire à peu près de l'autre côté la même chose, comme ceci. En profondeur, on pourrait voir le bourrelet du corps calleux.
Alors, il nous reste à faire... normalement, les coupes. Une coupe frontale et une coupe horizontale. Alors, je vous propose de faire une seule coupe, la coupe frontale. Vous savez tout. Sur la coupe frontale, qu'est-ce que vous allez retrouver ? On va la simplifier. Si vous faites une coupe frontale, sur la ligne médiane, vous allez retrouver la cavité du troisième ventricule. Donc on recommence comme précédemment. Voici un thalamus. Voici un deuxième thalamus. Voici l'hypothalamus. Je vais faire passer la coupe par le tronc cérébral. Et je vais couper ici le tronc cérébral. Nous savons que le noyau caudé repose sur le thalamus. Il s'en sépare au niveau de la queue du noyau caudé. Nous savons que sur une coupe frontale, on coupe le corps calleux. Voici le corps calleux coupé. Et nous savons que sur la ligne médiane, nous retrouvons le septum lucidum, le fornix. On a bien un ventricule latéral à droite, un ventricule latéral à gauche, le troisième ventricule sur la partie médiane. En dehors, nous avions vu qu'il existait un noyau, le noyau lenticulaire, triangulaire, avec trois parties, le putamen en dehors, le pallidum externe, partie intermédiaire, et le pallidum interne, qui était d'origine diencéphalique. Il ne nous reste plus, après ceci, à mettre les circonvolutions. Donc on va imaginer que l'on passe par toutes les circonvolutions frontales, comme ceci, un peu obliquement, et par toutes les circonvolutions temporales. Donc qu'est-ce que l'on va retrouver ? Eh bien, il existe un sillon juste au-dessus du corps calleux. En haut, nous allons retrouver le gyrus singulaire avec... le sillon singulaire. Au-dessus, vous allez retrouver la première frontale. Puis vous allez retrouver la deuxième frontale. Et puis vous allez retrouver la troisième frontale, avec en profondeur la fissure latérale. La fissure latérale sans fosse en profondeur. Et cette fissure latérale a au fond d'elle-même un lobe, le lobe de l'insula. Si vous repérez la fissure latérale, vous repérerez toujours l'insula. Au niveau temporal, nous avons dit qu'il y avait 5 circonvolutions temporales. Eh bien, il y a une temporale supérieure ou première temporale. Il y a une temporale moyenne ou seconde temporale. Il y a une temporale inférieure ou troisième temporale qui va former la partie externe et inférieure du cerveau. Et puis vous allez avoir une quatrième temporale
avec le sillon collatéral. Et vous allez avoir la circonvolution de l'hippocampe qui est toujours très reconnaissable, absolument toujours très reconnaissable par sa forme qui a la forme d'un hippocampe. Donc ici, je vous ai dessiné l'hippocampe proprement dite, et en dessous, séparé par un sillon qui s'appelle le sillon de l'hippocampe, vous avez le gyrus para-hippocampal. Sur une coupe frontale, vous allez retrouver la capsule interne. La capsule interne sur une coupe frontale est oblique en bas et en dedans. Et elle est oblique en bas et en dedans car elle va rejoindre le tronc cérébral. Donc sur une coupe frontale, la capsule interne est toujours oblique en bas et en dedans. Bien, on va s'arrêter là.